Bonjour à tous, merci de vous connecter toujours à l'heure. On est à nouveau sur une séance de Bien Vivre aux USA, salon donc qui a duré toute la semaine et qui continue jusqu'à demain. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. Dans cette session, on va parler d'un sujet qui est souvent flou pour les Français qui arrivent aux États-Unis, mais qui est vraiment important aussi. Qui est d'ailleurs des fois procrastiné aussi. Encore un autre sujet trop procrastiné à mon goût de beaucoup de Français que je vois arriver aux États-Unis. Si vous voulez acheter une maison, si vous voulez acheter une voiture, tout simplement faire un achat à crédit aux États-Unis, c'est un sujet très important puisque, comme le titre de la conférence l'indique, ici, les gens achètent essentiellement à crédit la plupart de leurs achats. Et si vous voulez avoir ne serait-ce qu'un prêt pour l'achat de votre maison, le credit score deviendra soit votre meilleur ami, soit votre pire ennemi, croyez-moi. Donc là, on a un peu plus de 120 personnes qui se sont inscrites, donc à la fois sur le site internet, Facebook et YouTube. Bien entendu, on prendra les questions de tout le monde à la fin. On va faire une petite présentation avec notre expert, Alexandre Quentin, que je vais présenter tout de suite pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Alexandre, il est directeur des investissements et puis il est surtout à USA France Financial, qui est notre sponsor, notre lead sponsor de cette semaine. C'est la deuxième année qu'ils soutiennent cet événement, donc merci à eux. Et donc, il accompagne à peu près 400 familles franco-américaines dans la gestion de patrimoine aux États-Unis. Beaucoup de familles françaises, bien entendu. Et donc, on va tout de suite avoir Alex. On va juste passer une toute petite page de pub et on va retrouver Alex. À tout de suite. Encore à USA France Financial. On va tout de suite avoir Alexandre. Bonjour Alexandre, comment vas-tu? Bonjour Marc, comment vas-tu? Bah, ça va bien, merci, merci. On va, bah voilà, on a déjà la présentation qui s'affiche. Donc, on va t'écouter sur comment gérer son credit score, comment l'améliorer, tout ça. Écoutez bien parce que il a préparé une présentation qui est très pratique et qui va, je pense, répondre à beaucoup de vos questions. Et puis n'hésitez pas tout de suite à mettre donc un peu plus bas, vous verrez la section commentaires vos questions et puis on y répond d'ici quelques minutes. À tout de suite, merci. Avec plaisir. Merci Romain et lançons-nous dans le vif du sujet et en quelques mots, qui sommes-nous à USA France Financial? Si vous n'avez pas encore une idée, nous sommes une équipe de 12 Français et un Américain basés à Philadelphie, Los Angeles et Miami et on permet aux cadres, aux entrepreneurs français qui sont basés ici aux États-Unis de pouvoir gérer leurs problématiques financières. Donc ça prend bien évidemment en considération tous les aspects, que ce soit de succession, de retraite, de protection familiale, de placement, tous les aspects qui puissent avoir un impact sur notre futur financier. On est capable d'apporter une valeur ajoutée et cela, qu'on reste pour le reste de notre vie ici aux États-Unis ou qu'on rentre un jour en France ou ailleurs, nous avons cette capacité d'ajouter cet élément de flexibilité ou de portabilité si besoin est. Alors, pour le sujet d'aujourd'hui, c'est le credit score. Et évidemment, c'est extrêmement important de pouvoir créer un maximum, un meilleur score possible sur le credit score dès le départ, puisque quand nous arrivons aux États-Unis, nous avons un credit score inexistant et ça va prendre du temps à le créer, à avoir un très bon credit score. Et donc, c'est important de s'y atteler le plus rapidement possible, qu'on ait de la visibilité
ou non, parce que la réalité, c'est que des fois, on vient en tant qu'expatrié pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et nombreux d'entre nous sont toujours là 10 ans plus tard. Et donc, de pouvoir faire en sorte d'avoir un credit score qui soit le plus favorable possible, le plus rapidement possible, est absolument clé. Donc, premièrement, pourquoi avons-nous besoin d'un credit score? Ben, si on veut faire appel au crédit, que ce soit un prêt immobilier, un prêt pour acheter une voiture, pour pouvoir montrer également notre santé financière à un propriétaire si on souhaite louer, et ben pour toutes ces raisons-là, un bon credit score va nous permettre de pouvoir accéder au crédit et accéder également au crédit au meilleur taux, puisque le meilleur est notre credit score, moins cher sera notre taux de crédit, puisque nous avons moins de risques pour l'institution qui va émettre évidemment ce crédit tout simplement. Alors, qui utilise ce credit score? Ce sont donc les banques, les organismes de crédit, les credit unions, les propriétaires qui vont regarder votre credit score et potentiellement vous dire, ben, malheureusement, votre credit score n'est pas assez élevé, vous n'avez pas de credit score, donc on ne vous fera pas de prêt. Donc, c'est important déjà d'avoir un credit score également le plus élevé pour pouvoir réduire les frais liés au crédit. Comment utilise-t-il le credit score? Donc, comment est-ce que les institutions vont pouvoir... savoir quel est votre credit score, il y a 3 institutions. Il y a Equifax, TransUnion et Experian, qui sont les 3 institutions majeures qui vous créent un credit score. Et ils vont donc faire ce qu'on appelle un soft pull ou hard pull. Ils vont regarder quel est votre historique de crédit, quel est votre score, et cela va impacter directement votre prêt. Et dernièrement, comment est établi votre credit score? C'est-à-dire, comment est-ce que ces institutions vont pouvoir établir votre credit score? Eh bien, tout simplement, premièrement, grâce au public record, au fait que vous achetiez, par exemple, de l'immobilier, des voitures, etc. Ces informations sont publiques et vont pouvoir accéder à ce type d'informations-là. Deuxièmement, toutes les institutions financières se parlent entre eux pour savoir si vous êtes quelqu'un, un bon client ou non, délinquant d'une certaine manière au niveau de votre capacité à repayer vos prêts. Donc, il y a cette organisation entre les différentes institutions pour pouvoir faire un suivi au niveau des clients. Et un petit tips là-dessus, c'est que nous également, individus, nous pouvons accéder à ce score-là pour savoir quel est ce score, par exemple, des institutions telles que FICO ou par exemple Credit Karma. Donc, par exemple, on va voir un petit peu dans quelques slides mon propre Credit Karma. Donc, vous pouvez vous connecter sur creditkarma.com. Vous pouvez regarder quel est votre credit score, qu'est-ce qui influence également votre credit score, qu'est-ce qui est positif, négatif, les choses sur lesquelles vous devez travailler. C'est gratuit. Vous pouvez accéder à tout moment. Donc, n'hésitez pas. Donc, premier tips de la journée, c'est de pouvoir consulter creditkarma.com et de regarder quel est votre credit score et quels sont les points forts et les points faibles à améliorer. Alors, quelles sont les options qui s'offrent à vous pour débuter? Alors, vous venez d'arriver ici aux États-Unis, vous n'avez aucun credit score, et vous allez avoir l'expérience de la difficulté à aller chercher du crédit. Donc, comment pouvoir améliorer son crédit dès le départ? Alors, premièrement, chez votre banque, peu importe la banque dans laquelle vous êtes, chez Chase, Wells Fargo ou autre, vous pouvez déjà avoir une carte de débit, mais ils ne vous mettront pas à disposition tout de suite une carte de crédit classique que tout le monde pourrait avoir parce que vous n'avez pas de credit score, mais ils pouvaient vous mettre à disposition ce qu'on appelle des cartes crédit prépayées. Alors, c'est comme si vous retournez à l'âge de 14 ans et on vous dit, voilà, mettez $500 sur votre carte de crédit et maintenant, vous pouvez dépenser ces $500 avec cette carte de crédit. En fait, vous avez prépayé la carte et vous pouvez dépenser l'argent que vous avez mis dessus. Cela va commencer à vous créer un historique de crédit. Et donc, ce n'est pas inintéressant de commencer à le faire le plus rapidement possible, de demander cette carte de crédit prépayée pour pouvoir commencer à créer cet historique. Deuxièmement, c'est de faire des prêts sécurisés. Alors, généralement, c'est si nous avons déjà de la famille ici aux États-Unis et qui peuvent se porter caution sur des prêts pour pouvoir vous aider à accéder au prêt. Par exemple, si vous êtes locataire et que vous souhaitez accéder au logement, si vous pouvez, par exemple, prouver au propriétaire que vous avez une caution de quelqu'un qui a un très bon déjà credit score établi ici aux États-Unis, qui va pouvoir vous aider à accéder à votre logement. Troisièmement, c'est, par exemple, si vous avez déjà une carte de crédit American Express en France, que vous avez déjà établi un certain historique de crédit en France, vous pouvez bénéficier de l'historique
de crédit que vous avez en France si vous avez déjà une American Express en France. Par exemple, vous avez créé une American Express, vous avez lancé votre compte en 2010, par exemple, et ben ça, ça sera un facteur extrêmement positif parce que vous allez pouvoir faire valoir le fait que vous avez un historique de crédit qui a commencé en 2010. Et ça va être un facteur extrêmement important sur la qualité de votre credit score. Donc, c'est un des tips que l'on peut avoir. Et dernièrement, il y a des compagnies qui sont spécialisées pour aider les immigrés, notamment, à se créer un credit score. Et cette société Jasper offre des cartes de crédit sans faire une demande de votre credit score et vous permet d'accéder à des lignes de crédit jusqu'à 5 000 $. Je dis 5 000 $, c'est assez important comparé aux cartes de crédit prépayées qui sont généralement autour de 500 ou 1 000 $. Donc, ça vous permet d'accéder à une ligne de crédit bien plus supérieure que ce que vous pouvez avoir dans une banque lambda. Et en plus, ils ne vous demandent pas de prépayer et également d'avoir un historique de crédit. Donc, ça vous permet d'accéder et d'augmenter votre ligne de crédit de manière beaucoup plus proactive. Donc, voilà mes premiers tips quand on arrive ici aux États-Unis pour pouvoir se créer ce credit score. Alors, quels sont les facteurs qui puissent affecter notre credit score? Et ça, c'est très important de les connaître, de savoir quelles sont leurs pondérations également dans le poids, dans l'influence qu'ils vont avoir sur votre credit score et de pouvoir savoir sur quel point travailler pour augmenter son credit score. On va voir ensemble que les trois premiers sont les plus importants. Donc, premièrement, c'est le paiement à temps. C'est-à-dire que quand vous allez mettre un achat sur une carte de crédit notamment, il s'agit de payer à temps. Par exemple, si vous devez payer au 20 du mois, eh ben aux États-Unis, vous avez la possibilité de payer soit la totalité du montant que vous avez dépensé durant le mois ou le payer de manière partielle. C'est-à-dire que, imaginez, vous avez dépensé pour 2 000 $ et que la somme est due au 20 du mois suivant, eh ben jusqu'au 20 du mois suivant, on a l'opportunité, quand le montant est dû, de payer la totalité des 2 000 $ ou de payer qu'un minimum. Et ce sera donc noir sur blanc dans votre statement. Par exemple, le minimum peut être par exemple de 75 $. Si vous payez au minimum, le minimum requis, qui serait de 75 $, eh ben, vous aurez le meilleur credit score possible pour ce facteur de paiement à temps. Il vous demande au minimum de payer à temps le minimum requis. Et évidemment, si vous n'avez payé que le minimum de 75 $, sur les 2 000 qui sont dus, il y a 1 925 $ maintenant qui vous restent à payer, qui eux vont être ce qu'on appelle du revolving credit, et très probablement aux États-Unis, c'est là où les cartes de crédit, où les agences de crédit gagnent beaucoup d'argent, c'est qu'on voit des taux assez exubérants, proches des 20%, on peut voir des choses entre 15 et 25, 30% qui sont dus en termes d'intérêts. Et évidemment, ces intérêts sont dus sur la différence entre ce que vous devez payer à la date due et ce que vous n'avez pas payé. Si vous payez la totalité de ce qui vous est dû à temps chaque mois, vous n'avez pas aucun impact sur les taux d'intérêt. Par exemple, si j'ai dépensé 2 000 $ et au 20 du mois suivant, j'ai payé mes 2 000 $, je n'ai aucun intérêt à payer. Ces intérêts-là, ces pourcentages de 20% ne s'appliquent que au revolving credit qui serait dû. Donc, faire attention de payer au minimum le montant requis et dans le meilleur des cas, de payer le montant total, si possible, évidemment, pour éviter des taux d'intérêt exubérants. Deuxièmement, c'est l'ancienneté de votre ligne de crédit. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir mettre en place un historique de crédit le plus rapidement possible. Parce que le nombre d'années sur lesquelles vous allez avoir du crédit va impacter votre credit score. Et c'est un des facteurs les plus importants de votre credit score. C'est pour ça que quand on arrive, on ne peut pas avoir le meilleur credit score possible parce que l'ancienneté de vos lignes de crédit est importante. Également, un petit tips, si par exemple vous avez des personnes, soit des amis ou de la famille, qui sont prêts à vous ajouter en tant que personne secondaire sur le compte. Exemple, je me suis marié avec une femme qui est américaine, qui avait déjà un historique de crédit avant que l'on se rencontre. Le jour où les choses sont devenues sérieuses entre nous, elle m'a rajouté en tant que personne secondaire sur la carte de crédit qu'elle avait pu créer elle en 2006, alors que je suis arrivé aux États-Unis en 2011. Mais le fait qu'elle a pu me rajouter en tant que secondary person sur sa carte de crédit, eh ben, mon ancienneté de crédit est maintenant
à partir de 2006. J'ai pu bénéficier de son ancienneté de crédit en me rajoutant en tant que personne secondaire. Si par exemple vous avez des amis ici aux États-Unis qui seraient heureux de vous ajouter en tant que personne secondaire et potentiellement le faire sur une carte de crédit que vous n'utilisez pas, de toute manière, vous pouvez prendre une carte de crédit au nom de cette personne et ne pas lui donner, mais ça lui permettrait de pouvoir accéder à une ancienneté de ses lignes de crédit et de booster son credit score. Troisièmement, c'est le taux d'utilisation. Alors, qu'est-ce que le taux d'utilisation ? Lorsque vous avez une carte de crédit, dans la majorité des cas, vous avez une limite d'utilisation de celle-ci. Par exemple, vous pouvez être limité à 10 000 $, 15 000 ou 20 000 ou 30 000 $ ou 5 000 ou 1 000 $ quand on commence. Vous avez une limite d'utilisation de cette carte. C'est-à-dire que jusqu'à, par exemple, 10 000 $, vous pouvez utiliser votre carte, avoir un revolving credit jusqu'à 10 000 $, mais vous ne pourrez pas dépenser un dollar supplémentaire. Vous êtes bloqué à la limite de votre carte. Dans cette limite-là, le taux d'utilisation va être extrêmement important. C'est-à-dire que, imaginez que vous avez une limite de crédit de 10 000 $ et que durant le mois, vous avez dépensé de l'argent sur cette carte de crédit, vous allez repayer à la date due de l'année prochaine, du mois suivant, par exemple au 20 du mois suivant. Si vous avez dépensé, par exemple, pour 5 000 $ durant le mois et que vous avez repayé à la date due, très bien, ce sera parfait pour le paiement à temps. Mais votre utilization ratio, votre taux d'utilisation, sera à un moment donné de 50%. Vous avez une ligne de 10 000, vous avez utilisé 5 000, vous avez utilisé 50% de votre limite d'utilisation. Et ce taux d'utilisation va être très important et il s'agit de limiter au maximum, d'avoir un minimum d'utilisation. Et à ce titre, il faudrait un taux d'utilisation qui serait inférieur à 20% en permanence sur l'ensemble de vos lignes. Vous pouvez faire ça par ligne. Évidemment, si vous le gérez par ligne, ce sera bien plus proactif. Mais sur l'ensemble de vos lignes de crédit que vous pourriez avoir, l'idée, c'est au minimum du minimum de rester inférieur à 20%. Ce serait même encore mieux inférieur à 10%. Mais 20%, c'est vraiment la limite. C'est-à-dire que imaginez que vous ayez une ligne de crédit de 10 000 $, que vous utilisez en effet 5 000 durant le mois. Vous avez potentiellement l'opportunité, au lieu d'attendre le 20 du mois, de prépayer, de payer avant le 20 du mois suivant pour s'assurer que le taux d'utilisation reste bas. Exemple, durant le début du mois, vous avez utilisé votre carte de crédit pour 1500 $. Et bien, rien ne vous empêche de vous connecter sur le site de la banque de la carte de crédit, de payer complètement la ligne de crédit, donc payer ces 1500 $, et vous retrouver avec un utilization ratio de zéro. Puisque maintenant, vous n'avez plus d'utilisation de votre crédit. Et donc, vous êtes passé donc de 15%, 1500 $ sur 10 000, à zéro. Et donc, vous restez sur des taux d'utilisation très bas. Donc, vous avez l'opportunité de payer avant la date due dans l'idée de pouvoir garder votre taux d'utilisation très bas. Encore une fois, 20%, c'est vraiment la limite. 10%, c'est encore mieux. Le nombre de lignes de crédit est important. Et là, ça peut paraître être choquant parce que c'est exactement à l'opposé de notre éducation financière. Généralement, en tant que Français, on n'aime pas vraiment les dettes, etc. On dépense ce que l'on a, à la différence un petit peu de la majorité américaine qui va pouvoir, dans cette société de consommation, mettre des choses à crédit, etc. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que le nombre de crédits que vous avez, plus vous en avez, et plus ça va impacter positivement votre credit score. Une ligne de crédit, c'est quoi ? C'est par exemple un prêt immobilier, un prêt automobile, de pouvoir avoir des cartes de crédit, etc. Ce qui impacte directement votre credit score, c'est l'historique lié à de l'endettement, lié à la partie, ce qu'on appelle liability du patrimoine. Il y a l'actif et le passif. Au passif, c'est ce qui va impacter votre credit score. Vous pouvez avoir des millions de dollars sur vos comptes en France, aux États-Unis, ça n'a aucun impact sur votre credit score. Donc, le fait d'avoir des lignes de crédit et que vous prouvez aux institutions que vous êtes un bon payeur, ça va impacter votre credit score. Donc, plus vous avez de lignes et plus votre credit score va être intéressant, va être favorable. Et il s'agit d'avoir un montant idéal d'une vingtaine de lignes de crédit. Je répète, avoir une vingtaine de lignes de crédit. 10, c'est très bien. 20, c'est encore mieux. Et 20, évidemment, ça, pour pouvoir arriver à des chiffres tels que 20, bah, par exemple, ouvrir des cartes de crédit peut impacter positivement votre credit score sur le long terme.
Le point suivant, c'est le nombre de demandes de crédit, ce qu'on appelle des soft ou hard pull. Par exemple, des institutions peuvent faire des soft pull pour vérifier un petit peu, de faire peut-être une pré-demande, de savoir quel type de crédit score est-ce que vous êtes. Mais par exemple, si vous demandez un crédit score, un crédit à une institution pour un prêt immobilier, pour une voiture, ou pour faire une demande pour une nouvelle carte de crédit, il y a généralement ce qu'on appelle un hard pull. Et ce hard pull, si vous en faites plusieurs dans une période de temps faible, ça va impacter négativement votre credit score. Pourquoi ? Parce que les institutions financières vont se dire, mais pourquoi est-ce que cette demande, cette personne va demander à plusieurs institutions du crédit ? Et donc, ça peut être un impact potentiellement négatif parce que ça veut dire peut-être que vous êtes en difficulté financière et vous devez vous résoudre à demander de l'argent à différentes institutions pour pouvoir vous en sortir. C'est un petit peu le raisonnement. Et donc, si vous faites plusieurs demandes de carte de crédit en même temps ou dans un espace limité, ça peut impacter négativement votre credit score. Donc, l'idée, si vous faites, par exemple, une stratégie où vous souhaitez ajouter un nombre de cartes de crédit, eh bien, il serait intéressant d'espacer les demandes pour réduire l'impact de négatif que pourrait avoir le nombre de demandes dans un temps limité. Et dernièrement, et c'est un des événements très importants, c'est un des événements majeurs du credit score, c'est le nombre d'incidents de crédit. C'est-à-dire que si vous ne repayez pas au minimum, le minimum requis à temps, eh bien, potentiellement, il y a des agences de recouvrement qui vont essayer de récupérer l'argent de la personne ou de l'institution qui n'a pas pu récupérer son argent parce que vous êtes un mauvais payeur. Et cela est très important. Si vous avez une agence de recouvrement qui va essayer de récupérer votre argent, ça a un impact énorme sur votre credit score. Notamment, la statistique derrière, il faudrait que vous ayez un taux supérieur à 99% en termes de non-incident de crédit. C'est-à-dire que si vous avez un seul incident de crédit, ça peut vraiment impacter négativement votre credit score. Il faut vraiment être parfait de ce côté-là, de payer au minimum du minimum le paiement requis dû à temps pour éviter toute incidence de crédit. Le dernier point, évidemment, en termes d'incidence de crédit, ça peut être une banqueroute. Si vous êtes banqueroute d'un point de vue financier, ça va vous prendre à peu près 7 à 10 ans avant que vous puissiez récupérer un taux de crédit qui soit de nouveau favorable. Donc, quels exemples les États-Unis ? On a vu beaucoup de gens qui étaient banqueroutes aux États-Unis, notamment avec la crise des subprimes en 2007-2008, où beaucoup de personnes avaient acheté potentiellement 5, 10, 15, 20 immobiliers avec un credit score faible. Ce n'était pas vraiment une problématique d'accéder au crédit à l'époque. Et si, par exemple, vous devez 500 000 $ sur une maison qui valait 700 000 $ à l'époque, mais à cause de la crise immobilière, maintenant votre bien ne vaut plus que 250 ou 300 000 $ vous êtes « underwater ». Et donc, si vous dites, je suis banqueroute, récupérez le bien, mais j'ai plus 500 000 $ à payer pour un bien qui en vaut plus que 250 000, et bien, vous êtes banqueroute, et bien, sachez que ça va vous prendre de maintes années pour pouvoir avoir à nouveau un credit score qui soit solide pour refaire appel au crédit. Voilà l'ensemble des points qui vont affecter votre credit score. Et voilà un exemple concret. Voilà mon credit report. Je me suis connecté donc à Credit Karma, qui est gratuit. Comme vous pouvez le voir là-dessus, vous avez le choix en haut à gauche. Vous voyez ici, donc il y a TransUnion. Je vais prendre TransUnion ici. Et également Equifax. Et donc, vous pouvez accéder, le troisième étant Experian, mais avec Credit Karma, vous avez le credit score TransUnion et Equifax et vous pouvez vérifier en temps réel quel est votre credit score. Pour TransUnion, je crois que le maximum est de 840. Le minimum doit être dans les 440, qui serait le moins bon. Et donc, ce credit score de 827 me permettrait, si j'ai besoin d'accéder au crédit, d'avoir un prêt immobilier ou autre, d'avoir le meilleur taux de crédit disponible. Les taux que vous voyez ici de 827 et celui-là du milieu étaient à l'année dernière. Et j'ai mis une update, la colonne de droite. Je viens de le faire il y a une vingtaine de minutes. Voilà mon credit score à l'heure actuelle d'aujourd'hui. Donc, on va faire un point ensemble. Vous voyez dans les credit factors, vous allez avoir ceux qui ont un high impact, on en a discuté ensemble, donc payment in theory, on voit que 100% du temps, j'ai payé à temps mes différents crédits qui me sont dus. J'ai un credit card utilization rate de 1%, donc bien en dessous des 20% d'utilisation. Alors pourquoi ? Parce que notamment, j'ai beaucoup de comptes. Vous le voyez ici, j'ai un total de lignes de crédit ouvertes de 48.
Maintenant, de nouveau, maintenant, j'en ai, entre la dernière et aujourd'hui, j'ai une ligne supplémentaire. C'est-à-dire qu'entre des mortgages, des taux pour potentiellement la voiture ou des cartes de crédit, à mon compte, j'ai près de 49 comptes ouverts. Et pour ce faire, j'ai pris beaucoup de cartes de crédit. J'ai près de, à mon nom, près de 45 cartes de crédit et également quasiment 45 au nom de ma femme. Donc, au total, entre ma femme et moi, nous avons près de 90 cartes de crédit. Alors, pourquoi cela? Parce que, un petit tip également aujourd'hui, c'est que dans ce système aux États-Unis, qui n'est pas vraiment favorable en France, qui n'existe pas vraiment en France, c'est que quand on prend des cartes de crédit, quand on commence à avoir un bon taux de credit score, on peut accéder à des cartes de crédit qui ont des perks, c'est-à-dire qui ont des incentives, des bonus intéressants que l'on va pouvoir utiliser soit pour voyager, soit pour des hôtels, soit pour payer ses charges qu'on doit tous les mois. En tout cas, il y a des perks très intéressants. Notamment en ce moment, on peut trouver nombreuses cartes de crédit qui offrent des bonus quand on la prend de près de 100 000 points. Et un point quasiment vaut un centime. Donc 100 000 points, ça fait quasiment 1 000 $ de bonus quand on prend la carte de crédit. Et évidemment, si plus on ouvre de cartes de crédit, plus on récupère ces bonus qu'on pourrait utiliser soit pour payer nos charges qui sont dues durant le mois ou les utiliser pour pouvoir voyager. Par exemple, justement, quand j'avais commencé à faire ce système-là, quand je venais d'arriver aux États-Unis, je n'avais pas un style de vie énorme. Quand je suis arrivé, j'étais étudiant, puis j'ai commencé à travailler et j'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir beaucoup voyager à moindre frais, puisqu'à la fois l'ensemble de mes vols étaient payés par les points et également les hôtels. Donc, ça m'a permis de pouvoir voyager le monde pour quasiment 0 $ sorti de par les perks de ces cartes de crédit. À l'heure actuelle, j'ai encore des millions de miles que je peux utiliser pour pouvoir voyager. Par exemple, on peut voyager entre la France et les États-Unis pour environ 60 000 miles. 60 000 miles, ça nous permet de payer que les frais d'aéroport. Donc, par exemple, on peut voyager entre la France et les États-Unis pour 100 $ par exemple. Ça m'est arrivé également de voyager pour 5 $, qui étaient juste les frais d'aéroport entre la France et les États-Unis. Donc, pourquoi prendre des cartes de crédit? Un, augmenter le credit score qui va nous permettre d'accéder à un meilleur taux le crédit pour faire de l'immobilier et autres, mais également de pouvoir bénéficier de ces perks. Il faut également savoir que plus les perks sont intéressants, plus généralement les frais annuels sont élevés. Et donc, il s'agit à un moment donné de bien monitorer sa stratégie si vous souhaitez aller vers cet extrême. Parce qu'évidemment, avoir plus de 48 comptes est un extrême. C'est quelque chose sur lequel j'ai passé beaucoup de temps à m'organiser. Il y a des compagnies qui sont spécialisées là-dedans, dont par exemple Credit Wallet ou ce genre de compagnie qui vous permettent de pouvoir suivre tous vos comptes, tous vos perks et de les monitorer de manière proactive. À un moment donné, si par exemple vous n'utilisez pas vos cartes de crédit pour x, y raison et que ça vous continue à avoir un frais annuel par exemple de 100 $ par an ou de 400 $ par an et que vous n'utilisez pas vraiment cette carte, eh ben, il serait intéressant de ne pas fermer la carte, mais de demander ce qu'on appelle un downgrade, c'est-à-dire de downgrader la carte d'une carte qui avant avait des frais annuels à une carte qui n'a plus de frais annuels, mais qu'on garderait exprès ouverte pour un, influencer de manière positive le nombre de comptes que nous avons, et deuxièmement, de pouvoir nous permettre d'avoir un taux d'utilisation bas sur l'ensemble des lignes que nous avons. Sur ces 48 comptes, je dois avoir une limite d'utilisation proche des 450 000 $. Or, si en permanence, j'utilise 4 000, 5 000 $ sur le mois, et ben mon taux d'utilisation ne sera que de 1%. Et donc, ça va favoriser beaucoup mon credit card utilization. Donc, l'idée, c'est d'ouvrir en effet un certain nombre de cartes de crédit, de bénéficier de ce sign-up bonus notamment. Généralement, on nous demande de dépenser 3 000 $ en l'espace de 3 mois pour récupérer ce bonus. Et puis après, potentiellement, on peut, dès ces 3 mois, downgrader la carte de quelque chose qui serait payable à quelque chose qui serait maintenant gratuit, d'avoir récupéré ce bonus et d'avoir permis d'augmenter notre credit score. Voilà quelques tips. Comme vous pouvez le voir, entre l'année dernière et cette année, je n'ai pas fait beaucoup de mouvements. Donc, j'avais fait beaucoup de demandes de cartes de crédit, ce qu'on appelle des hard increase, hard pulls,
J'en ai fait beaucoup pour pouvoir continuer à augmenter mes cartes de crédit. Mais étant donné qu'il y avait le coronavirus et qu'on ne pouvait plus voyager ou autre, eh ben, je n'ai pas fait beaucoup de demandes. Et on peut voir que à court terme, je n'avais maintenant plus que 3 hard inquiries. Et si à terme, d'ici quelques mois, je ne fais plus de demandes, eh ben, ça va passer à un moment donné à zéro. On voit également que l'âge moyen a augmenté. J'ai pris un an quasiment. Entre 4 ans et 7 mois d'âge moyen de crédit, je suis passé maintenant à 5 ans et 6 mois. Si par exemple vous prenez une nouvelle carte de crédit, l'âge moyen de l'ensemble de vos lignes de crédit va être impacté négativement, puisque maintenant vous avez une nouvelle carte en termes de pondération de tous les comptes avec un historique de crédit que de 1 mois, puisque vous venez juste d'ouvrir la carte. Et ça va impacter négativement l'ensemble de l'âge de crédit. Donc, il faut trouver ce bon juste milieu, d'avoir un bon rythme de croisière à un moment donné et de potentiellement moins faire de demandes, et ça va augmenter de manière positive votre âge de crédit. Voilà au niveau de l'exemple concret d'un credit score. La dernière slide pour aujourd'hui, avant qu'on puisse passer aux questions, eh ben, c'est de refaire un point sur ce qui est absolument à éviter pour ne pas impacter négativement notre credit score. Alors, premièrement, c'est d'ignorer la bonne tenue de votre credit score et de votre historique de crédit. C'est-à-dire venir ici aux États-Unis, de se dire de toute manière, je suis là que pour un an ou deux, pour quelques mois, j'aurai ma carte de débit. De toute manière, le crédit, les dettes, etc., tout ça, je ne veux pas en avoir à faire. Et au final, on se retrouve à ne pas créer un credit score qui, à terme, quand on sera prêt ou quand on voudra accéder au crédit, on ne sera pas en position de force. Donc, première chose, être proactif de ce côté-là au niveau de notre credit score. Deuxièmement, comme on l'a vu ensemble, c'est faire de multiples demandes de crédit en même temps. Essayer de les espacer un minimum. Par exemple, si vous avez l'objectif d'investir dans l'immobilier ou d'acquérir un bien immobilier d'ici 2 mois ou 3 mois, il ne serait pas opportun d'ouvrir des lignes de crédit, des cartes de crédit maintenant ou en prendre 2, 3, 4 lignes de cartes de crédit. Et d'ici 3 mois, de faire un prêt immobilier. Parce que ces hard pulls, à court terme, vont impacter négativement votre credit score et ainsi potentiellement le taux qui va vous être présenté par l'institution qui va vous faire un prêt. Donc, si vous avez l'opportunité d'investir dans l'immobilier, évitez d'avoir des hard pull situations, des cartes de crédit qui vont être demandées dans les mois qui précèdent votre investissement immobilier. Troisièmement, c'est détenir des soldes de cartes de crédit élevées. On l'a vu pour deux raisons. Un, ça peut vous coûter très, très, très cher. Il ne faut pas tomber dans le panneau de faire du revolving credit. Parce qu'avec nos clients potentiellement qui ont ce type de problématique, c'est une des choses qu'on va tacler en premier. C'est de pouvoir s'atteler à repayer ces cartes de crédit à taux très élevé. Alors, un petit tip là-dessus, si vous êtes malheureusement dans ce trap des cartes de crédit à taux élevé, Il y a certaines choses qui sont faisables. Par exemple, vous pouvez transférer votre revolving credit vers une nouvelle carte de crédit que vous ouvriez et qui aurait un sign-up bonus qui serait, par exemple, d'avoir du 0% d'intérêt sur, par exemple, 12, 18, 24 mois. Certains vont avoir 3% de frais pour pouvoir faire ce transfert, day one, mais après vous avez 0% de frais sur 18 ou 24 mois par exemple. Et certaines, de temps en temps, il y a des offres où il y a 0% de frais de transfert et également 0% de frais sur une période de temps de 12 mois, 18 mois, 24 mois. Et à l'issue de ces 24 mois, vous êtes de nouveau à 18, 24% et ainsi de suite. Mais ça vous permettrait de pouvoir souffler un petit peu si par exemple vous avez besoin, vous n'avez pas la capacité de repayer à court terme, de pouvoir vous permettre de souffler pendant plusieurs mois en faisant un transfert de votre revolving credit à une nouvelle carte de crédit notamment. Donc voilà un petit tip également pour essayer de vous en sortir plus rapidement. Et après, c'est de s'atteler à repayer cela de manière proactive pour que vous sortiez de ce trap-là et de continuer à vous faire construire votre patrimoine, la partie active de votre patrimoine. Quatrièmement, c'est d'annuler des cartes de crédit. On l'a vu, n'annulez pas vos cartes de crédit, downgradez-les, et mettez-les dans un tiroir ou coupez-la si vous n'avez plus besoin, mais au moins laissez-la ouverte, cette ligne, parce que ça va permettre d'avoir un nombre de comptes ouverts, mais également un taux d'utilisation le plus bas possible. Et dernièrement, et surtout, et je ne le répéterai pas assez, c'est de payer vos factures à temps avec le minimum requis au minimum, parce que sinon, ce sera le facteur numéro un
d'un credit score négatif ou très très faible si vous ne payez pas vos factures à temps. Donc soyez vraiment diligent. Et un petit tip là-dessus, faites ce qu'on appelle un note en anglais, donc auto-payment. Donc vous pouvez faire en sorte de dire de manière automatique de lier votre compte courant au solde de votre carte de crédit et de faire un virement automatique de la totalité du solde de manière automatique quand le paiement est dû. Donc quand vous ouvrez une carte de crédit ou vous connectez à la plateforme, parce qu'on peut ouvrir des cartes de crédit chez Wells Fargo, chez Chase, chez PNC, peu importe l'institution, vous aurez donc un compte en ligne que vous pouvez voir, évidemment, le solde qui est dû et toutes les transactions qui ont été réalisées. Et vous pouvez mettre en place l'autopay. Et c'est un des tips, c'est de mettre en place l'autopay le plus rapidement possible. Si vous avez la possibilité de payer chaque mois, tant mieux. Et faites-le et demandez de payer l'ensemble du solde au montant dû chaque mois pour que vous puissiez avoir le meilleur credit score possible. Je pense à en avoir fini là. Pour la présentation, je suis maintenant heureux de pouvoir passer aux questions, Romain, si tu le souhaites. Ouais, super. C'était encore plus complet parce qu'on avait fait cette présentation l'année dernière, je me souviens. Et je vois que tu as amené pas mal d'éléments supplémentaires, Alex, et surtout des détails très importants. Donc, merci beaucoup. Je pense que tu as vraiment parlé de tous les points de vigilance les plus importants. On a Delphine qui nous pose une première question. Quel est le temps raisonnable entre l'ouverture de deux lignes de crédit, c'est-à-dire, on va dire, deux cartes de crédit dans ce cas-là? Je pense que c'est ça la question. Alors, pour moi, mon conseil, c'est 2 à 3 mois. De prendre une carte de crédit peut-être tous les 2 à 3 mois. 3 mois, ce serait peut-être un peu plus optimal. 2 mois, 2 à 3 mois. L'idée, c'est d'attendre 2 à 3 mois pour prendre une nouvelle carte. Voilà mon conseil là-dessus. Parfait. On a Delphine aussi qui nous demandait, dans le cas d'un compte commun avec une seule source de revenus, mais deux cartes de crédit, est-ce que nous avons deux différents crédits ou un seul crédit pour les deux? Alors, je vois la question. Dans le cas d'un compte commun avec une seule source de revenus, mais deux cartes de crédit. Alors, OK. Imaginez que vous soyez un couple, il n'y a qu'une personne qui récupère donc l'argent, peu importe. Alors, excellente question, parce que c'est un tip que je n'avais pas abordé. L'idée, par exemple, avec ma femme et moi, c'est que je suis, par exemple, primary de la carte de crédit et je vais pouvoir mettre ma femme en tant que secondary, utilisateur de la carte. Ce sera moi en tant que primary qui sera impacté directement sur le credit score, mais également ma femme va pouvoir bénéficier en étant secondary d'une ligne de crédit supplémentaire. Vice versa, vous pouvez maintenant, l'époux ou l'épouse va pouvoir également ouvrir la même carte de crédit, par exemple le même type, par exemple chez, je sais pas moi, PNC Bank ou Chase, cette carte de crédit, et le conjoint ou la conjointe va pouvoir ouvrir la même carte de crédit et mettre en tant que secondary l'autre personne. Donc, on peut se retrouver avec deux cartes de crédit qui, on peut lier le même compte courant et mettre l'autopay en place de ces deux cartes de crédit et avec chacun la personne qui est secondary. Et donc, ça permet d'augmenter le nombre de comptes que l'on peut avoir. Donc, excellente question. Peu importe si on a un compte commun ou pas, on peut mettre ce même compte en tant que dénominateur du paiement de ces cartes de crédit. Et l'idée, c'est de se mettre en tant que primary, secondary, et ça augmente le nombre de lignes que nous avons disponibles. Et puis après, peu importe si on dépense de cette carte-là ou de cette carte-là, c'est le même compte courant unique qui va payer le solde chaque mois. Je crois aussi, il y a un élément important pour les nouveaux arrivants, c'est que le compte en banque n'a rien à voir avec le credit score. Donc ça, c'est toujours un problème pour les nouveaux arrivants de le comprendre. C'est pas parce que vous avez 100 000 dollars sur un compte en banque que la banque va vous faire confiance au niveau du crédit ou du remboursement. Donc voilà. Et du coup, chacun, même si on est marié, chacun a son credit score. Exactement, chacun son credit score. Et évidemment, par exemple, si vous allez acheter de l'immobilier et que vous voulez être tous les deux sur le prêt immobilier, eh ben évidemment, le credit score des deux personnes va impacter directement
votre taux d'emprunt. Donc, c'est important que vous puissiez travailler ensemble, que chacun ait son propre credit score et de booster le credit score des deux personnes dans le couple. Absolument. Et en effet, hein, je vais rebondir sur ce que tu as dit, que vous ayez des millions de dollars sur vos comptes en France, à l'étranger, ici aux États-Unis, n'impacte en rien votre credit score. Et c'est un peu contre-intuitif, puisqu'on pourrait se dire, bah ouais, j'ai l'air insolide et vous n'êtes pas prêt à me avoir une carte de crédit avec 5 000 ou 10 000 dollars de ligne de crédit, ça n'a pas de sens. En effet, ça n'a pas de sens, mais ce qui regarde vraiment, c'est la partie passive du patrimoine et non pas la partie active. Donc, c'est votre capacité à être un bon payeur qui vous permet d'accéder à encore plus de crédit. Il faut bien comprendre ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas inné de notre côté en tant que Français. Voilà, donc ce qu'on cherche, c'est la récurrence de remboursement d'une dette et pas du tout le net worth. Donc, on avait Jean-Marie qui nous demandait si, par exemple, avoir des comptes d'investissement pouvait impacter le credit score ou avoir des biens en France. Donc, la réponse est non, c'est ça? Exactement, la réponse est non, absolument. Il faut absolument se créer cette historique de crédit ici aux États-Unis. Alors, on a Caroline et un autre utilisateur dont je ne peux pas lire le prénom qui pose la même question. Donc, on va tout de suite en parler. Comment on fait avec les enfants? Comment ça se passe? On leur ouvre une carte de crédit à partir de quel âge? Alors, les cartes de crédit avec des perks, etc., qui sont extrêmement intéressantes, sont généralement réservées à des adultes qui vont pouvoir repayer, etc. Ce que l'on peut faire sur les enfants, c'est faire des cartes prépayées. C'est-à-dire justement, quand ils commencent à être en âge un petit peu pre-teen, teenager, etc., de pouvoir d'une certaine manière les éduquer avec l'argent, les aider à comprendre comment l'argent fonctionne, eh ben, c'est de leur mettre potentiellement à disposition cette carte de crédit, mais qui, elle, sera prépayée, c'est-à-dire qu'elle est backée par de l'argent. Je vous ai déjà mis les 500 dollars. Et maintenant, ils ont la possibilité, avec ces cartes de crédit, de dépenser ces 500 dollars. Donc, une des choses qui sont potentielles de faire, c'est de faire des cartes de crédit prépayées pour pouvoir aider vos enfants d'un point de vue éducationnel, mais potentiellement de leur côté à se créer une empreinte financière. All right, parfait. On a Christelle qui nous demande si tu peux réexpliquer les 20% d'utilisation. Faut-il dépenser que le minimum? Elle n'a pas exactement compris ton explication. Ouais. Okay. Est-ce que tu peux juste rapidement la revoir? Absolument. Imaginez que vous ayez une limite de crédit totale de 100 000 dollars. Donc, ça va faire, pour ces 100 000 dollars, ça va faire 10 cartes de crédit qui ont 10 000 dollars, par exemple, tout à fait. De ligne de crédit. Tout à fait. Voilà. Si dans le mois, vous avez fait des achats pour, disons, 25 000 dollars, votre taux d'utilisation va être de 25 %. On peut faire exactement la même chose sur, en divisant par 10. Vous avez une ligne de crédit de 10 000 dollars, vous avez utilisé 2 500 dollars, vous avez un taux d'utilisation pour le mois de 25 %. L'idée est qu'en permanence, entre le montant total qui vous est alloué de crédit, d'utilisation de crédit, enfin de crédit à votre disposition, que vous soyez, en termes de ratio, en dessous de 20%. C'est-à-dire que si vous avez une ligne de crédit de 100 000 dollars, il faut qu'en permanence, durant le mois, vous dépensez moins de 20 000 dollars. Or, comme vous avez pu le voir avec mon exemple, avec l'ensemble de mes cartes de crédit, j'ai à peu près 450 000 dollars de crédit qui m'est à ma disposition. Le fait que j'utilise peut-être que 4 à 5 000 dollars va me permettre d'être proche des 1 %. Et le fait d'être proche des 1 % fait que mon credit score va être très élevé. Donc imaginez que vous ayez, parce que vous commencez, vous êtes au début, vous n'avez que 10 000 dollars de ligne de crédit et que vous avez besoin de faire des dépenses pour vivre, aller au supermarché, etc. et que vous dépensiez peut-être 3 000 dollars durant le mois. Si vous attendez de payer le montant dû à la date due du mois suivant, bah très probablement, votre taux d'utilisation courant s'approche des 30 %. Et donc, pour éviter cela, l'idée, c'est que c'est de payer plusieurs fois par mois le montant au lieu d'attendre le montant dû. Vous pouvez à tout moment vous connecter sur votre carte de crédit en ligne et dire « je veux payer la totalité du montant dû ». Vous pouvez accélérer les paiements et ça aura du sens de le faire pour que vous soyez toujours sur un taux d'utilisation bas. Donc, imaginez que vous avez 10 000 dollars, il faut qu'en permanence sur votre montant dû, vous soyez inférieur à 10 000 dollars, à la fois sur les achats du mois, mais également si vous avez un revolving credit, que ce soit inférieur.
J'espère avoir été assez clair. Christelle, n'hésitez pas à me reposer une autre question si je ne suis pas assez clair. Hein. Parfait. Donc là, je crois qu'on a répondu à l'essentiel des questions qu'on a reçues. Hein. Dites-moi si je me trompe ou si vous en avez encore, vous pouvez les poser tout de suite à la fois sur Facebook, YouTube ou sur le site internet un peu plus bas. Voilà, Christelle qui dit qu'elle a compris, donc c'est parfait. Donc, merci Alex d'avoir pris le temps. N'hésitez pas, vous avez vu le QR code s'afficher avant. Alex donc aide des centaines de familles aujourd'hui depuis plus de 10 ans dans leur optimisation et dans leurs investissements en fait, hein, tout simplement aux États-Unis. Donc je pense que la stratégie du crédit est la première, comme il l'expliquait tout à l'heure. C'est difficile d'investir si on a encore des grosses dettes de carte de crédit. Donc, je pense que c'est des sujets très importants. N'hésitez pas à prendre contact avec Alex. Il vous aidera. Là, donc, quand vous scannez son code, vous arrivez directement sur son agenda. Donc, vous pouvez même prendre rendez-vous avec lui directement. Absolument. Voilà. Je vais rebondir là-dessus. C'est vrai que le credit score est important à se le créer parce que ça, c'est ce qu'on appelle le 101. Hein, c'est le the basics of the basics. Parce que maintenant, quand on a des credit scores qui sont intéressants, on peut passer à l'étape supérieure. Il y a un certain nombre de sujets hein, que j'aborde notamment sur French Morning. Je parle notamment dans différents webinaires de vélocité patrimoniale, le fait que chaque dollar que l'on puisse mettre de côté peut être utilisé plusieurs fois en même temps pour justement décrire ce terme de vélocité. Mon exemple, généralement, c'est la vélocité de la monnaie. La vitesse de la monnaie au niveau d'un pays, c'est simplement le ratio entre le PIB, c'est-à-dire la richesse créée le pays, sur la masse d'argent disponible. Si on assume que la masse d'argent disponible est fixe, plus le PIB est important, et plus ça peut être intéressant en termes de ratio pour savoir quelle est la vitalité du pays. Ça voudrait dire qu'il y a des achats, des ventes entre les individus et les entreprises, et que l'économie est vraiment saine. Et ben, au niveau granulaire, au sein de notre stratégie patrimoniale, si on peut faire en sorte que chaque dollar que l'on puisse de mettre de côté peut être utilisé plusieurs fois, et ben on va démultiplier notre stratégie patrimoniale. Et puis également, sur la partie passive, on peut également mettre en place un certain nombre de stratégies où, en plus d'avoir de l'actif qui va grandir, de pouvoir adosser, par exemple, des lignes de crédit, et avec ces lignes de crédit, de pouvoir se leverager, alors soit faire de l'arbitrage, soit faire du leveraging sur d'autres classes de crédit, d'autres classes d'actifs. Et ainsi, de pouvoir démultiplier ses rendements. Mais ça passe par un credit score, notamment, qui soit de bonne qualité pour pouvoir faire fonctionner ce type de stratégie-là. Donc, évidemment, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est le 101, ça part de là. Mais évidemment, on va pouvoir démultiplier nos possibilités patrimoniales en ayant un credit score de qualité. Donc, j'espère avoir pu répondre à un certain nombre de questions aujourd'hui pour pouvoir maximiser ce credit score. Mais c'est que le début de l'aventure. Après, évidemment, les portes s'ouvrent sur bien d'autres sujets qui sont notamment abordés sur French Morning. N'hésitez pas à me suivre quasiment tous les mois sur ces différents sujets qu'on pourra aborder à l'avenir. Hein. Oui, voilà. On a, avec Alexandre, on a pratiquement tous les mois, comme il le disait, différents webinaires sur plusieurs sujets qui sont essentiellement autour de l'optimisation de votre patrimoine, de le faire croître. Et venez l'écouter. À chaque fois, c'est des présentations où il prend des semaines à préparer. Et ça vaut vraiment le coup. On apprend beaucoup, beaucoup de choses. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Merci Alex pour ton temps. On va tout de suite afficher le programme de la suite de la semaine. Alors, on a demain, donc, s'expatrier en famille, des impacts juridiques, midi, côte est. On a attiré, retenir et récompenser ses salariés. Ce sera avec les collègues d'Alexandre, donc du SA France Financial, qui seront là pour vous donner tous leurs tips à ce sujet-là. Comment être plus écolo en vivant aux États-Unis, qui sera la dernière conférence de cette semaine. Et puis, on en aura fini. Merci encore de nous avoir suivis jusqu'à la fin. J'espère, où que vous soyez dans le monde, que vous passez une belle soirée, une belle après-midi ou une belle journée si vous êtes en Californie. À bientôt. Au revoir.